Hey, j'en suis d'aller aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft, les amis. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce que du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons faire un ne choisissez pas le mauvais lapin crétin sur Minecraft. Et comme vous pouvez voir, les amis, derrière moi, nous avons donc du coup trois lapins crétins géants. Alors, donc du coup, nous aurons aujourd'hui le lapin crétin normal. Donc, du coup, voilà qui a la tête un petit peu de gogol que vous connaissez. On aura ensuite, les amis, le lapin crétin à 3h du matin qui sera assez terrifiant. Mais pour cela, on devra attendre qu'il fasse nuit parce qu'actuellement, il fait jour. Et donc du coup on ne pourra pas rentrer. Et pour finir les amis, nous aurons le lapin crétin bébé. Donc du coup le bébé de lapin crétin qui est quand même, vous avez vu, assez stylé avec sa jolie tétine. Franchement je pense que c'est classe. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement commencer la vidéo. En plus regardez, je suis en bébé skin, c'est plutôt what the fuck, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais du coup j'espère que ça va se régler pour le proche, pour l'épisode juste d'après. Donc du coup c'est parti, on va directement entrer dans la première base. C'est parti, je vais toquer. Oula, excusez-moi, il y a mon ordi qui vient de trembler. Ok, bon, ça rentre. Il y avait un. Entrez. What? Attends, mais comment t'as pu dire entrer alors que je te vois pas? T'es où? Lapin crétin, t'es là? Regarde, regarde, j'habille, regarde, j'habille. Wesh, wesh, les gars, regardez, il y a un truc qui bouge. Il y a un requin. Il y a un requin, il y a un requin, les gars, regardez, what? Lapin crétin, comment tu fais ça? Wesh. Attends, fais voir. What? Mais mec, mais c'est trop bien. Regarde, on peut voir ma tête passer regarde, un petit peu. Regarde, ça, sinon j'ai plus de yeux. Fais voir ta tête. Wesh, mais comment tu fais pour nous voir? Bah, c'est dit, je suis un chinois, je vois tout le monde. Ah, t'es un chinois, ouais, mais tu vois tout le monde, mais en petit, non? Ouais, ouais. Ouais, moi je suis sur sa tête, moi. Attends, fais voir, les amis, on va. Bon, les gars, ce qu'on va faire, c'est que je vais casser tous les trucs parce que là, il est en train de faire le mec qui veut se cacher. Moi j'ai pas envie qu'il se cache. Oula wesh. Arrête de crier lapin crétin. Bon, lapin crétin, du coup aujourd'hui je suis venu ici parce que je voulais te demander de l'aide pour que. Bah non, je voulais te demander est-ce que tu avais besoin d'aide de quelque chose. Enfin pour quelque chose en particulier en tout cas. Ou pas forcément. Est-ce que juste t'aimes bien ma voix? Ouais bah t'as une voix de bébé un peu mais ouais. Bah il faudrait que tu me fasses un lit. Faudrait que je te fasse un quoi? Un lit? Un lit, ok, bon bah c'est parti, allez, hop, voilà. Je t'ai fait un lit, est-ce que t'es content maintenant? Ah, moi je veux un gros lit, moi, un gros lit avec des vrais blocs. Ouais, je t'es sérieux, mec? Bon, bah, tu sais quoi? Bon, bah, du coup, les amis, on va devoir casser. On va devoir casser les tapis, vu qu'à mon avis, lapin crétin veut un vrai tapis. Vous avez vu, lapin crétin, c'est vraiment un grand garçon. Bon, moi je reviens, je vais aller chercher de la bouffe. Ok, vas-y. Attends, tac. Tac. Oula. Ok, bon du coup c'est parti les amis, ce qu'on va faire c'est qu'on va absolument mettre de trucs partout. Donc du coup voilà, tac. Ce qu'on va faire c'est qu'on va lui mettre des lits partout, j'espère que ça va lui plaire. À mon avis les amis, si ça ne lui plaît pas, c'est qu'il y a un petit problème un petit peu spécial. Donc du coup tac, allez, on va même lui mettre encore plus de lits vu que je suis gentil moi. On va lui mettre un petit peu comme ça et comme ça. Voilà, hop. Hop, allez. Et maintenant on va encore mettre une dernière étape, une dernière couche, voilà. Wesh. Est-ce que maintenant t'es content? Regarde, je t'ai mis des lits partout! Oui, tiens ton cadeau! C'est quoi mon cadeau? Oh, c'est une laisse! Oh non, c'est du. Mais c'est du lapin! Mais ça ouais, se trouve. Une laisse, vas-y. Mais ça se trouve, c'est tes parents! Oh, le lapin, je le tue! Tu veux que je prenne le lapin aussi? Ok, bon, bah, c'est parti, hop! Ou je le tue! Tu le ramènes pour toutes les bases! Attends, je vais te capturer toi aussi! Allez, c'est parti, vas-y, viens avec moi le lapin! Wouhou! Ok, bon, du coup les gars, apparemment il va falloir que je prenne le lapin avec moi et l'autre lapin crétin, et bah je vais devoir le laisser, voilà. Donc du coup les gars, c'est parti, hop, je prends mon petit lapin crétin. Il va mourir. Il va mourir, t'es sérieux? Regarde. Non. Non, il est mort? Mais non. Mais non, je veux pas qu'il meure. C'est Mahmoud lui, fais voir Mahmoud comment il va. Bon, les amis, il y a le lapin crétin qui est un petit peu taré. Donc ce qu'on va faire les amis, c'est que je vais directement le laisser tranquille. On va passer au lapin crétin normal parce que celui-là il a l'air d'être un petit peu fou. A tout de suite. Ok, donc du coup c'est parti, on se retrouve maintenant pour la suite de la vidéo du coup. Donc du coup let's go, on va donc du coup passer. Attendez juste, je mets le son, c'est nickel. Voilà, donc du coup on va aller toquer chez le lapin crétin normal parce que le lapin crétin bébé n'a pas ouvert la porte cette fois-ci. Mais là je pense qu'il va mourir, donc c'est parti. Ah c'est qui? Salut lapin crétin, tu m'ouvres la porte, c'est Twinner. C'est Twinner. Ah, c'est Twinkraft. Ah, wow, oula. Oula, wesh. Wesh, mais t'as un taré lapin crétin, ça va? Ouais, regarde, je suis un hélicoptère. Wesh, mais dis donc, il est en train de bouger la tête de partout. Bon, du coup, salut lapin crétin, comment tu vas?
Carotte. Carotte? Pourquoi tu me parles de carotte, toi? Miam miam carotte. Non mais attends, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va cheveux de carotte. Oula, 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 oula. Oui, mais les gars, il veut manger des carottes le lapin. Bon, les gars, j'ai peut-être une idée. Si il veut manger autant de carottes que ça, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être oula. Oui, c'est son chat qui est en train de miauler ou quoi? Fais-moi un chien de carottes, sinon je te défonce. Ok, ok. Bon, je vais te faire un champ de carottes, les amis. Apparemment, les gars, il veut que je te fasse un petit champ de carottes. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de la terre. On va labourer, du coup, la terre et on va lui mettre des carottes dessus. Donc, du coup, tac, hop. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir planter des carottes? C'est très simple. Vous allez faire comme moi. Donc, vous êtes obligés, hein, les amis, si vous voulez vous aussi planter des carottes. Donc, du coup, on va prendre de la terre, de l'eau et des carottes, bien évidemment. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi prendre une houe pour pouvoir labourer la terre. Donc, du coup, voilà. Alors, je vous explique. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un joli terrain carottes et carottes râpées. Oui, oui, c'est vraiment super génial. Hein. Donc du coup, tac, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des carottes vraiment tout autour comme ceci. Voilà, et on va maintenant mettre de l'eau ici. Et maintenant, on va du coup passer à la semence. Pardon, donc du coup, tac, on va mettre. Non, non, mais attends, mais c'est pas fini. Non, touche pas. Laisse les qu'elles poussent. Bah justement, on va passer aux choses sérieuses maintenant. Si tu veux qu'elles poussent rapidement, je vais t'offrir un cadeau que tu pourras utiliser. Oh, il y en a qui est tombé. Non. Écoute, je vais t'offrir un cadeau maintenant. Est-ce que tu voudrais que tes trucs poussent vite? Que tes carottes poussent vite? Ouais. Ouais, tu voudrais? Attends, mais il faut de la lumière. Dans ce cas-là, je vais t'offrir un joli cadeau. Ouais, vas-y, mets la lumière. Tu vas en mettre beaucoup là, radin. Mets beaucoup de lumière. Mais attends, mais ouvre la fenêtre. Bien, sinon, je les mets dans tous les murs. Voilà, t'ouvres la fenêtre et puis voilà. Ok, bon là les amis, on a de la lumière. Faut même mettre de l'eau aussi. Si, c'est bon, il y a de l'eau de Camille. Ce qu'on va les amis, c'est qu'on va. On va... Attends, 2 secondes. T'as une carotte dans les cheveux. Oui, en fait, les gars, je vous explique. Le lapin crétin, il voit vraiment des carottes de partout. Hein, vraiment. S'il y a peut-être un mec qui adore les carottes, je crois que c'est bien le lapin crétin. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser. Yo, mon fils. Ton fils manger. Ah bah ton fils il a fait plein de petites bêtises mais voilà c'est bon. T'as mangé ton fils? Wow, mais t'as un taré de lapin crétin. T'es vraiment un foufou hein. J'ai mangé le fils du coup, à tiens, j'ai un cadeau pour toi maintenant lapin crétin vu qu'on parlait de ça. Du coup je t'explique. En fait ce que tu vas faire c'est que tu vas poser ça sur tes carottes et regarde ce qui va se passer. Tiens. Attends. Pose ça sur tes carottes. Ou attraper. Ils vont attraper. Ah elles vont être géniales, tu vas. Bah goûte les carottes, vas-y. Oh il va être super bon dans les gars. Ouais, les gars, lapin crétin, à mon avis, là il va être content. Il va être super content. Regardez. Wow. Ok. Alors, lapin crétin. Wesh. Il est en train de manger toutes les carottes, les gars. Wesh. Bon, du coup, t'es content de tes petites carottes ou pas? Cadeau. Ah, t'as un cadeau pour moi. Ah, bah, ça fait plaisir. Vas-y, passe à moi. Oh, non, le CD d'un chanteur. C'est le CD de Jules. Ah, bah, merci beaucoup, ça fait plaisir d'avoir. Non, c'est le CD. Non, c'est pas Jules, c'est Jules. Ah, ok, d'accord. C'est Jules César, c'est ça? Attends, moi je répare ma base, que tu me l'as tout cassé. Ok, bon allez, moi j'y vais les amis. Bon, les gars, ce lapin crétin était quand même un petit peu moins fou que le bébé, mais il était quand même aussi fou. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que, à mon avis, les gars, on va maintenant aller au pire des lapins crétins. C'est le lapin crétin à 3h du matin, c'est celui pendant la nuit. Donc du coup, là, je sais pas quoi dire, mais à mon avis, ça risque d'être totalement effrayant. J'espère que vous allez pas avoir peur. De toute façon, si vous avez... Ouais. Prends des carottes parce que sinon il va te manger le. Ok, je prends des carottes, t'inquiète pas. Bon, du coup, les amis, on va directement passer au lapin crétin à 3h du matin. On attend qu'il est. On entend qu'il fasse nuit, quoi, tout simplement. Et on se trouve, du coup, à tout à l'heure. Bon, les gars, il est actuellement 3h du matin. Ça fait littéralement 10h que j'attends qu'il fasse nuit. Je suis là dans ma map en train de me tourner. Oula, d'accord. Ouais les gars, je crois qu'il y a un lapin crétin complètement taré les gars. Il est vraiment 3h, il est 3h56 du matin. Non pardon, il est 2h56 du matin. Donc dans 4 minutes, il est 3h et à mon avis dans 4 minutes, lapin crétin. Oh, dans 3 minutes les amis, lapin crétin va devenir complètement fou parce qu'il sera 3h du matin et il va faire du coup plein de. Oula. Les gars, bon déjà, je vous laisse imaginer à 2h56 comment il est fou. Alors imaginez les gars à 3h comment il sera complètement taré. Ok, bon, les gars, ce qu'on va faire, c'est que je vais directement aller dans sa base. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller en me cachant parce que il est tellement fou que j'ai un peu peur de lui. Donc, du coup, on va passer par les souterrains. Oh, il y a un trou. Non. Oh. Il y avait un trou. Oh, ça va, tu meurs. Oh, tu meurs. Oh, wesh, les gars, mais le lapin crétin, c'est un taré. Oh, il y a des trucs qui sont
Crocs. Les gars, mais la part crétin, les gars, c'est un taré. La passion si c'est un FPS. Oh ah. Wesh, les gars, regardez. Wesh, les gars, regardez. Il y a la part crétin qui m'a donné de la. C'est un vache. Ouais, les gars, non, il est 3h du matin. Il est 3h du matin. Oh oh. Les gars, il est actuellement 3h du matin, je commence un petit peu à m'inquiéter quoi. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finalement rentrer par le vrai passage, les gars. Ah ah non 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 non. Ah ah Wise. Non, mais je suis à Wise. Ok, bon les gars, j'ai fermé. Ah voilà, c'est bon, donc j'ai fermé. C'est bon. Ok, bon là les amis, je pense qu'on est tranquille. Hop là, là. Bon, les gars, les gars, la part crétin c'est un malade. Bon, ce qu'on va faire, c'est des amis, c'est qu'on va passer par derrière et on va libérer les poules. Allez hop, c'est parti. On va libérer les poules parce que les poules elles sont emprisonnées. Tac. Eh, Tounière ! Ouais ! Tu peux me récupérer les carottes qui chient là ? Les carottes qui quoi ? Qui chient. Mais ça chie pas des carottes ? Bah, si, ça chie des carottes. C'est drôle, hein. T'es drôle, toi. Bon, du coup, les gars, je t'ai un taré, mec. Pourquoi t'as tué les poulets? J'ai pas tué. À quel moment j'ai tué les poulets? Moi, jamais. Non, non, c'est pas moi. Oh, oh, regarde derrière toi, c'est le voisin. C'est le bébé, c'est le bébé, c'est le bébé là-dedans, 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 là-dedans. Là, 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 là. Là, là, là. C'est lui qui a tué tous tes poulets. Oh, 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 regarde, va le tuer, va le tuer. Vite, il est là, il est là. Ok, les gars, je crois qu'il va prendre. Ah oui, pardon, attends. Tac, voilà, vas-y, vas-y. C'est bon, tu peux y aller, tu peux y aller. Tiens, des carottes. Allez, vas-y, tue-le, tue-le, il est là-dedans. Là, je ferme. Là, il va vite. Bah, cherche-le, cherche-le. J'ai pas envie. D'accord. Non, 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 c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est celui qui était là-dedans. Vas-y, tue-le, 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 tue-le. Attends, 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 faut que je remette des bancs, sinon ça va coûter trop cher. Ah, ouais, ouais, sinon ça va coûter un petit peu cher à la banquière. Hein. Bon, du coup, voilà. Allez, non, mais il était là-dedans, il était là-dedans. Vite, 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 cours, 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 cours. Là, là. Ah, il est en 3h du matin. Il est là-dedans. Oh, oh. Enfin, je te vois. Oh, oh. Les gars, je crois. Vous savez, les gars, ce qu'on va faire, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Je vais poser un villageois. Et je vais faire genre que c'était lui qui avait. Du coup. Ouais, salut. Qui a tué. Donc, du coup, je vais le mettre dans la prison. Oh, je l'ai trouvé. Il est parti dans la prison. Il est parti dans la prison, monsieur lapin crétin. Attends, je dodge. Attends, je prends ma hache en carotte. Wesh. Carrément. Il est là, regardez. Il y a encore les carottes ici, là. Qu'est-ce que tu vas lui faire, lapin crétin? Awise. C'est toi? Oui. Ah non, me tue pas. Ah ouais, me tue pas, me tue pas. Wesh. Wesh, t'as tué Awariz. Non, mais t'es. Putain, mais t'es vraiment un foufou toi. Hein. Bon allez, moi je me casse de là, les gars. Bon, les gars, c'est vraiment un truc de malade ce qui se passe ici. Attends, les oiseaux gentils, je vais aller tuer d'autres personnes. Non, non, mais tu vas tuer personne, ils sont gentils avec toi les gens, donc les tue pas. Qu'est-ce que je vais aller chier à 3h du matin magasin. Ok, bon allez, bon les gars, moi je vais vous laisser là pour la vidéo, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, en réalité c'était un petit peu du n'importe quoi. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. N'hésitez pas à mettre mon code créateur dans la boutique Fortnite, ça me ferait vraiment super plaisir parce que je sais qu'il y en a plein qui ne le mettent pas. Donc dès maintenant mets-le, en plus tu pourras participer à un concours pour gagner jusqu'à 1000€ de bucks et ça c'est vraiment super génial. Donc abonne-toi à la chaîne, mets mon code créateur, mets la cloche aussi parce que je sais que maintenant je peux voir qui a mis la cloche et qui ne l'a pas mis. Et du coup je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, allez ciao ciao. Hep hep hep, t'allais vraiment regarder la vidéo sans mettre mon code créateur dans la boutique Fortnite? Et bah tu sais quoi, mets-le dès maintenant en appuyant sur soutenir un créateur, twinner-du-bas-de-l'XR, tu mets accepter et tu pourras participer à un concours pour gagner des V-Bucks. Allez voilà, sur ce je te dis bon visionnage.